Allant sur un jet, pour tous ceux-là qui ont prévu leur voyage pour le début du mois d'octobre, veuillez le repousser. La fête nationale de la Chine, c'est du 1er au 10 et pendant cette période, ils ne travaillent pas. Bon, nous sommes là. Nous sommes à Qingfu. Qingfu, Qingfeng. Les Camerounais appellent ça quoi? Qingfeng. Qingfeng. C'est Qingfu. C'est Qingfu. Qingfeng. Ce marché, c'est l'un des grands, l'un des plus grands marchés de Guangzhou pour les vêtements. C'est-à-dire, il y a les habits. Ici, il faut seulement qu'ils couvrent tout le marché. C'est au moins une année. Une année, même, c'est petit. Il y a les habits ici, versés. Des habits de qualité, à bon prix. Mais ici, là. Mais c'est too much. Il y a trop les habits dans le pays ici là. On ne sait même pas où on va commencer, où on va finir. Ouais, mais chérie. Mais le marché ici là, c'est le marché de gros. On ne détaille pas ici là. C'est un appel ici là, le tchembu. Le tech or. C'est-à-dire que tu vois un modèle comme ça, il tech or. Pour avoir le bon prix, on tech or. Maman. Non. Ok. Ici, là, ici, les choses sont vraiment moins chères, mais you take all. C'est-à-dire que tu vois le chapeau aussi. Tu vois le chapeau aussi comme ça, là. On te dit que tu prends tout le carton. Il n'y a pas que non. Non, tu prends tout le carton pour avoir à bon prix. Bon, je suis ici là avec ma soeur. Je vais lui poser des questions parce que il y a trop les appréhensions sur la Chine. Hein? En Chine, on pèse en. En kilo. En Chine, on dit en Chine, le capital de combien? 20 millions. les gens qui m'écrivent souvent me demander que je peux venir en Chine avec 1 million. Donc, ma soeur va vous répondre aujourd'hui si on peut venir en Chine avec 500 000. Donc, c'est moi, parce qu'elle est en Afrique avec vous. Donc, c'est elle qui connaît. Elle est grossiste. Donc, elle-même va vous expliquer avec quoi vous pouvez venir en Chine pour vous en sortir. Bon, aujourd'hui là. C'est serré, il y a tout le monde. Parce que ça, c'est ma petite soeur, Sally. Donc, elle vous parle d'habitude, qu'elle a les boutiques au marché central. Là. Voilà sa copine aussi, qui a la boutique au marché central. Voilà. Tout à l'heure, je vais donner les adresses de leur boutique. Vous allez aller choper dans leur boutique. Vous n'ignorez rien, c'est le conseil vestimentaire, l'habilleur, Ed Collins. Voilà. C'est lui qui crée la vie. Vous allez dire vous-même à mon audience, avec combien? Parce qu'il y a souvent de ces questions. Qu'avec 1 million, on peut venir en Chine. Avec 2, est-ce que. Il y a des gens qui me posent la question à savoir, avec 1 million, donc avec, dans 1 million, il veut payer l'hôtel avec. Il veut manger, il veut faire tout avec. Salut, pardon, il veut que tu m'expliques, tu expliques aux gens. Avec combien tu peux venir en Chine parce que tu t'as. Pour un premier voyage, avec combien tu peux venir? Pour un premier voyage, déjà, l'hypothèse que les gens souvent en Afrique, oh, après, ils croient seulement pas même payer les habits ici en Chine en kilos là. Et que on va seulement ramasser les habits qu'à 800, à 1000 francs, à 200. Non, ça n'existe pas déjà en Chine. Ceux qui font dans les fins de série, hein, pour un premier voyage, ils peuvent même venir mais avec les 5 bâtons. Oui, 5 millions. Oui. Ceux qui font dans les fins de série, même ceux qui font la fabrique, pour un premier voyage, ils peuvent venir avec 7 millions. Voilà. Oui, un premier voyage, minimum 7 millions. Parce que les habits sont très chers en fabrique. Les fabriques, c'est quoi d'abord? Et ça ne fait même pas deux colis, hein, c'est un colis. C'est un colis. Voilà, c'est un colis. Et maintenant, c'est un colis. Pardon, et venez m'expliquer la différence, c'est quoi? La fabrique, c'est quoi? La fabrique, c'est Instagram, les vêtements Instagram, la tendance, la mode. Voilà. Pendant ce temps, les fins de série, c'est pas la mode. La fabrique, c'est la tendance. Instagram, tout ce que vous voyez dans Instagram, c'est ce qu'on appelle la fabrique. Voilà. Les fins de série, c'est pas la mode. Les fins de série, c'est les habits qui ont des dates même de 10 ans. 8 les ans. Comme de Zara, les voilà. Voilà. Donc, okay. Si tu veux vendre la mode, tu l'as fait dans Instagram, dans la fabrique, disons. Wow. Ok, t'en sorti, eh. T'en sorti, oui. Okay. Et 7 millions là, c'est un seul colis en fabrique, eh. Oui. Un seul colis. Okay. Mais toi, tu es. 1200 vêtements pour toi. 1200 pièces. 1200 pièces, maxi. Maxi. Voilà, c'est ça. Et pour commander un seul modèle de fabrique, c'est combien? C'est 100 pièces, à partir de 100 pièces, un seul modèle. Et on mixe les couleurs. Oui, on mixe les couleurs et les tailles. Voilà, ok, merci. Tu ne choisis pas les couleurs, tu ne choisis pas les tailles. Ça dépend du fournisseur. Oui, ça dépend du fournisseur aussi, oui. Et il y a les fournisseurs même que 100 pièces, ils refusent à partir de 200 pièces. Voilà. Et les fournisseurs. Quand le vêtement a deux couleurs, oui. C'est 100 pièces pour order. Oui. Donc order veut dire commander. Commander. Quand le vêtement a trois couleurs, c'est 150 pièces. Le chinois fait 50 pièces par couleur. Voilà. Quand c'est quatre couleurs, le chinois demande 200 pièces. 50 pièces par couleur. Par couleur.
Merci. Oui, toi, tu as quelque chose à ajouter, le président des habilleurs au Cameroun. Non, juste que pour ajouter un peu d'eau à son moulin, c'est vrai, il faut oser, il faut venir en Chine, mais comme elle a dit tantôt, psychologiquement, il faut vraiment se préparer. Parce que tu peux venir comme ça avec les 5 millions, là, tu fais ton premier voyage. Si tu veux venir avec l'intention d'acheter des trucs moins chers, tu viens pour ne plus jamais revenir. Voilà, voilà. Pardon, mettez-vous ensemble, explique-les. Voilà. Non, non, c'est mettez-vous important. Non, il faut leur expliquer. Il y en a qui viennent en Chine. Oui. Ils entrent dans les couloirs. Avec la mentalité voilà, que les choses sont moins chères. Ils achètent les moins chers. Et puis, comme ils mettent l'argent dedans, arrive au pays, ça bloque. Ça bloque, ça ne sort. Sont venus, c'est en Chine, les habits trop moins chers en Chine, c'est les avaries. Les avaries. Ça voilà. Vous fait avoir des avaries au pays. Le mieux, c'est d'acheter ce qui est bien, les vêtements qui sont bien. Qui sortent. Ne mettez pas en tête que comme vous êtes en train de venir en Chine, là, c'est pour forcément acheter les trucs moins chers. Les trucs moins chers est égal à avaries. Et ça ne sort même pas. C'est ce que je dis, ça ne sort pas. Ça stagne dans ta boutique. Ça oui. Devient les avaries. Et puis, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que les trucs moins chers en Chine, ce sont des trucs qui sont déjà périmés, datés. Voilà, c'est ça. Tu vois, peu, non? Tu vois ça brille dans le sachet, mais c'est déjà gâté. Et quand tu mets ça dans l'eau, quand tu mets dans l'eau les deux, avant que ça n'arrive au pays, ok, tu as compris. Tu as déjà eu à ouvrir ta marchandise comme ça, tu veux toucher comme ça, c'est gâté, c'est déchiré. Ok, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ne vous fiez pas à Alibaba. Moi, j'ai dit ça tout le temps. Arrêtez les gens d'Alibaba. Ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas. Donc voilà, les gens qui sont dans le commerce, qui vous donnent les conseils, comment vous allez, vous devez faire. Parce que déjà, vous devez briser vos histoires. Les trucs comme vous dites que non, on pèse en kilos, c'est moins cher. Je vous assure, vous n'allez pas. Parce que même moi, quand je suis arrivée en Chine, ça lit pour la première fois. Mm-hmm. Je suis tombée parce que dans ma tête, c'était que non, la Chine était moins chère. Voilà. Ça se peut-être que j'ai fait au moins 2 semaines mm-hmm. pour pouvoir acheter les habits. Parce que je ne me retrouvais pas. Mm-hmm. Parce que dans ma tête, je me disais que merde, mm-hmm. comment ça se fait que les habits sont au marché à 6 000, mm-hmm. à 7 500 mm-hmm. Parce que dans ma tête, on m'avait dit depuis que je suis petite que acheter les choses sont en kilos. Jamais. Alors que je m'étais trompée. Jamais. Tu vois un peu, non. Donc, c'est l'erreur que beaucoup commettent. Et ça, c'est l'erreur. C'est pas comme ta copine qui était venue, savait combien 1 million pour acheter les messes. Hey, 1 million. Elle n'a même rien acheté. Rien du tout. Mais elle va acheter quoi encore là? Elle va acheter les petites mèches moins chères, genre du là. Mais les bonnes mèches, elle n'a rien acheté comme bonne mèche. Même une seule bonne mèche, elle n'avait pas pu acheter. Elle te venait combien là? Elle te venait combien? 1 million 200 000. Voilà. Mm-hmm. Donc 1 million 200 c'est en dollars, on peut dire dans les 2 000 dollars, non? Oui. Mm, dans les 2 000 dollars. Donc la Chine est mieux d'acheter ce qui est bien. En Chine, c'est mieux d'acheter ce qui est bien. Oui. C'est comme ça. Et ce qui est bien en Chine, tout coûte cher. Vraiment? Ça coûte cher. Ouais. Mm-hmm. Ce qui est bien en Chine, tous les jours, je vous dis ça, que la Chine, ce qui est le secret de la Chine, c'est ce qui est de qualité. La qualité coûte cher en Chine. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Moi, justement, je pose la question à savoir. Les Chinois, un endroit où ils peuvent te prendre la matière. Moi, je wonder. Hein. Il a dit ça, non? Hello. Hello. Oh. Na, 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 na. Wow. Ensemble ici, alors c'est le plus seulement. Je te dis que c'est la magie. On appelle ça les petits pommes saquées. Petit comme ça, ça sort seulement. Il est aussi important de rappeler que sur ces ensembles ici, on peut mettre des designs. Hein. N'est-ce tu vois, pas? Oui, tu vois un peu là en haut, non? Ouais. On écrit l'offre là. Donc, pour prendre l'offre là, on a une piste ici là. Oui. Même le Nike là. Donc, en fonction du logo que tu veux. Oui. Mais ça, il faut rappeler que ceci déjà, c'est vendu à combien? C'est 5 500 ici. D'accord. Tu vois un peu. Oui. Là, maintenant, s'il faut qu'on ajoute les logos là maintenant. Ça, on ajoute les designs. Oui, oui. Et il faut aussi rappeler que c'est à partir de 100 pièces. Donc, order à partir de 100 pièces. Il n'y a pas de stock. Tu viens, tu passes la commande de 100 pièces. D'accord. Tu apportes tes modifications. Oui. On modifie. Et c'est aussi important de rappeler que quand tu prends en grande quantité, on peut encore diminuer. On peut, oui, d'accord. On peut diminuer. Donc, maintenant, s'il faut qu'on rajoute, par exemple, l'offre sur le t-shirt ici, là. Oui, sur le t-shirt ici. L'argent va revenir à combien? L'argent va revenir à, disons, 6 200, 6 300 en fonction de la quantité. D'accord. Tu vois, mais si tu parles des 300 pièces, 400 pièces, on peut revenir à 5 500. D'accord. Vois, oui. Et aussi les robes. Les robes. C'est le coton, moi. Hein. Et c'est la guerre seulement, c'est le pleur. Ça, c'est pour les femmes qui mangent 3 fois par jour. Ça je te dis que le coton est mort. Non, c'est le pleur, c'est le pleur. Une douleur qui va être mourue. Et aussi là. Merci vraiment, Eto, de montrer tes réseaux comme ça. Là. C'est pas donné. Hein. Non, est-ce que c'est les endroits qu'on a développés depuis des années. Tu vois, un pays sur les mariniers.
Donc, on peut faire la même chose. On met love, on met 5, on met sell now life. À partir de 100 pièces pour. Attends, 100 pièces pour. Dans 100 pièces là, on mixe les couleurs. Non, dans 100 pièces, on mixe les couleurs. On mixe les logos, les designs. Oui, tu peux même prendre deux. Donc, celui-ci, comme ça, va être 25 pièces. D'accord. Love, 25 pièces. Tu prends Five, 25 pièces. Tu prends Sell Now Life, 25 pièces. Tu prends Nice, 25 pièces. Tu vois un peu. Oui. Ouais. Pour essayer d'avoir un peu tous les designs D'accord. C'est un peu ça. Attends, on peut faire la même chose aussi avec les caroliers là. Oui, c'est la même chose. La même chose. Les mariniers, c'est la même chose. Oui. C'est juste ça, c'est juste les simples. On peut apporter des modifications. D'accord. On met les designs, tu choisis. Ils ont les différents logos. Tu choisis ce qu'on peut frapper. On travaille tout ça. D'accord. Bon, il y a encore d'autres designs que tu peux me montrer. Oui, il y a les robes ici. C'est joli portant avec les baskets. Avec les baskets. Ouh, c'est la guerre. Mm. Là, tu vois la matière, non? Non, la matière est bonne. C'est le beurre de table. Le beurre de table. C'est moi qui dis les mots, ne te manque pas, mon frère. C'est la guerre seulement. Ok. Il y a aussi la mariée ici en robe. Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà, par exemple, celui-ci, tu vois. C'est le même design, mais ici il y a, tu vois ce qui est écrit, non? Voilà, il y a aussi celui-ci. D'accord. Yes. Ouais, on peut maintenant mettre aussi, il y a celui-ci, par exemple, la couleur blanche ici. Même ça, là, on peut mettre l'offre dessus. On peut mettre l'offre dessus. Mais pour que ce soit 100 pièces, on mixe les couleurs. On mixe les couleurs, voilà, c'est comme ça. D'accord. Tu vois un peu? C'est le même, mais on a juste changé le blanc. Tu vois un peu noir. Ok. Très joli, la guerre seulement. C'est mon vraiment, il y a mon salon jusqu'à. C'est bien en été. C'est la chumamelu. Les lamelles de plantain. Ça passe. Ce n'est pas les trucs. Ouais. Ça, c'est le pain saké. Le pain saké. Mais dis-le que les Camerounais, pour y aller, le genre de. On s'aligne pour acheter. Ça ne paye pas le temps. Ouais. Merde. C'est le haut. C'est la guerre. Ça, c'est le. Ici, là, le design, ici, là, il faut à partir de 250 pièces. Minimum 250 pièces. Oui. Et le prix de ça, c'est à part. Oui, c'est les fleurs seulement. Ouais. One color, ce n'est pas deux couleurs, c'est une seule couleur. Ouais. C'est la guerre. Très jolie. Très jolie. Non, c'est mon. Joli porter les baskets. Wow. Même avec les sandales, ça passe. Juste quand même les pieds nus, non? Les pieds nus, ça passe. Wow. Travailler au millimètre près. Wow. Ouais, ouais. Avec du fil suédois, ça n'a rien à y voir. Ils sont au travail. De la crevette. Ils sont venus trouver les Chinois en Chine. Elles montent les réseaux. Oui. Là, c'est les réseaux que c'est beaucoup d'argent à saler. Jusqu'à. Beaucoup d'argent. Tu es trop belle. Merci. Le feu sort. Non, le feu sort. Waouh. Ouais, les filles, voilà ça alors. Ça, c'est un ensemble. Après, ça couture. Le couturier fait taper, tu es mangé par les Indiens. Ouais. Donc, il n'y a plus ça sur le marché. C'est fini. Prenez pour vous seulement. Ce n'est pas les trucs. Ouais. Ce n'est pas les tenues de classe. On voit ça partout. Non, c'est mot, c'est touche vraiment mot. Touche la matière. Le truc est vraiment là. C'est la pas... chose est là. Oh, pas... Ça donne. C'est pas le truc. Ils sont trop soif, mon frère. Les mots jaquettes. C'est là, c'est mot, non? Mais c'est. Ouais, boutique. Ici, là, c'est beaucoup plus... C'est un peu pas l'idée. Ici, là, c'est toujours de qualité. Toujours grossiste. Vraiment, vous voyez la matière. Voilà, des choses de qualité. Ici, vous pouvez trouver les choses moins chères. Comme chères. Ça dépend. Voilà. Ok. Ok. Non, le pays, c'est à les habits. Le pays, c'est à les habits. Mof Mide. Et ce qui est bizarre, les gens discutent encore. Les gens discutent encore que non, il n'y a rien en Chine. Tous les habits, ça part alors. Ou les qui achètent, c'est seulement les Chinois. Ah, mon frère. Tout ça, c'est les orders. Les orders. Moi,
Madame, c'est ça, ça ressemble au oversize là. Tu vois, non, et toi? Oui. Et c'est la même marque aussi? Si, non. L'ensemble, non. Oui, ça va ressembler. Donc, je vais pas là dire que. C'est du même, c'est juste que ça vient de la même usine. La même marque, voilà, la même usine. Voilà, je t'ai dit que mon t-shirt, là, mon oversize, ça veut le dessin ici. La base, c'est la marque ici. Oui, mais ensemble, là, c'est la marque ici. C'est ça ici, non? Non, c'est pas ça. Je vais le montrer le modèle. C'est la même chose. Parce que même moi, mes oversize. Mes oversize, c'est ça. Ça, les dessins ici. Tu vois un peu, non? Je vais le montrer la vie là. Si j'en porte ça. Waouh. La même marque ici. Et toi, tiens un peu ça comme ça. Waouh. Ah, c'est elle. It's you. Ah, c'est elle. C'est elle. C'est ça, non? Parce que tu vois. On avait la bière. Et toi, je vais te dire merci pour comment il nous montre tous les réseaux ici là. Quand tu marches avec moi, sois en Chine. Je vais t'amener dans les profondeurs de la Chine. J'étais en Chine, mais t'es pas en Chine. Non, tu peux venir en Chine, tu ne découvres pas le réseau ici. Ça, ce sont les habits qui dépassent l'entendement humain. Mais rien que la couture, c'est la guerre. Vous voyez, quand tu portes, on pose les questions. C'est quel genre d'habit ça? C'est ça, ça fait de l'effet. Merde. Okay. Vraiment. Tu t'es touché en matière? Je touché. Very nice. Ça n'a rien à y voir. C'est pas le truc. C'est pas les tenues de classe. C'est pas le truc qu'on voit tous les jours. Quand tu portes ça, ça remet les gens en question quand tu passes. Ouais. Ça même. Les vrais habits. Ah ouais. L'amitié. Ça, c'est l'habit au singulier. Ce n'est pas au premier. Ah, moi, je me dis. Le crabe là, comment? Non, tu veux ma vie, hein? Tu rêves de ma vie, hein? Jusqu'à. Rêve de ma les vie. Les Camerounais mangent avec le ventre à main, mon frère. On mange partout. On mange partout. On mange partout. Ok. Elle venait ici là, non? Les Chinois ont reçu. C'est comme ça avec tout le monde. Comme ça, les Chinois passent le mois de manger. Ils vous reçoivent. Voilà. C'est comment? Le crabe là? Ça dose à mort. Trop manchant. Trop manchant. Wow. Ensemble, on va ça. Ce n'est pas. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Ah, c'est bien pour aller manger les crevettes avec le père. Avec ouais. Une belle petite basket. Ouais. Ouais. Wow. Dolé crevette. Oh, un dolé crevette mourue. La matière. La matière, c'est la guerre, c'est la guerre. Ça pleure seulement. Ça n'a rien à y voir avec ça. Pleure seulement. Ça pleure seulement. Touche. Oh, même chose. Miss Makosa. Est-ce la Miss Makosa? Ok. Very good. Yeah, Alida. Voilà mais, ça alors. Mais tu as vu la matière. Voilà alors l'ensemble. Mais, alors. Je vais te remercier, mon ça, père. Ça, c'est le mal même. Le mal. Et... 15 000 francs CFA. C'est ça. 15 000 francs CFA. Wow. C'est 25 euros, non? Oui, 25 euros. Oui, voilà ça. Et ah, il faut prendre à partir de 100 pièces. Oui, c'est 100 pièces. 100 pièces 100 moins pièces. De 100 pièces, le prix, c'est plus cher. C'est plus cher. Wow. Le secret, ça dépend de la quantité. Ouais. Plus tu prends en quantité, plus on baisse le prix. Aïe! C'est la mort! La magie! Aïe! Half size, sister! This size, one size! Oversize! C'est ça là! Okay. Ça c'est pour les vraies filles! Les filles qui aiment les choses compliquées! Ouais! Les choses qui sortent de l'ordinaire! Ouais! Ouais! Ça c'est un vêtement qui dépasse l'entendement humain! La bière qui parle en personne! Est-ce que tu doutes encore de lui? Tu doutes encore. Attends un peu, elle vient avec ça comme ça là. Ça c'est l'échantillon, il y a ce qui est neuf. Non, ça c'est déjà maintenant tu portes d'abord, tu arrives au rendez-vous d'abord. Quand il tape la maquille, il comprend que non, ça vient une fille d'abord qui est présente. Ouais. Oui. Hey, ça c'est un mélange de cultures. Il y a Europe, il y a Asie à l'intérieur. Tu vois un peu ça, non? Ouais. Tu as remarqué ça? C'est unique. Voilà. C'est comme on rend déjà en traitement. Très décontracté. Tu mets ça avec une belle basket, avec une belle sandale, ça passe. Une belle pied nue. Voilà. Moi j'aime les pieds nus hommes là, non? Oh, les balasiaga. Avec les orteils bien nettoyés comme les shawarma de Kadidja. Les shawarma de Kadidja. Ouais. C'est à quoi, toi là? Ouais. Non, et toi, est fort. Aïe. L'ensemble là, c'est comme toi, hein? Oui. Je sais pas m'en parler comme ça, pardon. Non, bats-toi. C'est pour les filles quoi, de la crevette. De la crevette morue. Ouais, ça c'est pour les filles qui mangent trois fois par jour. Ouais. Ça n'a rien à voir. Attends, tu touches la matière. Qu'elle voit un peu la matière. Ça n'est pas ça. Non, c'est ça, c'est le mal. Ça n'est pas. Tu confirmes que c'est la magie. Non, c'est le mal. Ça n'est pas. Ça n'a rien à y voir. Ce n'est pas les poupouras. Les poupouras.
Ça, c'est la baisse de ma baisse, j'ai le mot là. Ça, c'est le bassin, même. On n'est pas les poupoura. En tout cas, elle Sister, you have picture of Richa? Yes, I have. Oh, yeah, Richa. Ouais, ça, c'est Roberto Dios Cavalli. Ce n'est pas Roberto Dios Cavalli. Rien à y voir avec les. Ça, c'est les oversize. Oversize. Et il faut appeler ce mix, hein? Ouais, ça c'est mix. Tu portes ça même, tu portes ça même le père. Le père, toi, vous portez ça, vous dérangez la place avec. C'est la magie. Ça lui attend fini d'abord le travail. Jésus et Beyoncé. C'est la magie. C'est la guerre. Hey. Jésus et Beyoncé. La fête nationale de la Chine, c'est du 1er au 10. C'est-à-dire que normalement, c'est le 1er, mais les Chinois prennent généralement minimum une semaine pour fêter cela, pour célébrer cela. Et c'est très important pour les Chinois. Donc, essayez de décaler vos déplacements par rapport à la Chine. Ok, et c'est déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider. Voilà ma soeur. Je voulais aussi ajouter. J'ai ma soeur ici là. Hein. Elle est venue avec une bleue. Voilà, elle est nouvelle. Pardon. Elle dit que si ce n'était pas sali, elle devait tomber dans le Tuki ici là. Vraiment. On t'avait dit que vous veniez à la Chine avec combien, hein? Avec 2 millions. Avec 2 millions. Dans le temps, tu as senti qu'il fallait venir avec combien? Ma soeur et mes frères, mais vraiment, s'il faut venir en Chine. Il faut au moins 8 millions, hein. Alors, parce qu'avec 10 millions, c'est rien. Même les fins de série, vous ne pouvez même pas. Ouais, maman. C'est, le point, c'est qu'il y a les quantités minimales. C'est-à-dire que pour un modèle de vêtement comme ça, on va t'exiger peut-être 100 pièces. Tu vois, c'est ça qui fait que ça gonfle le capital. Voilà. C'est pas comme si tu as venu, tu vas marcher 5 pièces. Non, parce que comment quelqu'un va quitter? Tu sais que je ne comprends pas ça. Que comment tu as quitté ton pays? Tu viens acheter que tu veux 5 pièces. Mais tu n'as pas de sang. Non. Parce que la Chine, ça fait plus de 10 000 km de l'Afrique. Plus de 10 000 km pour venir. Comment tu vas quitter? Parce qu'on estime que tous ceux qui viennent ici ont l'argent. Oui, ça. Comment tu vas venir ici quand tu vas dans les habits? Les gens nous appellent toujours Taloban. Quand ils te voient, ils se disent que tu as payé le bal. Tu payes lequel? Ici, là que tu es riche. Ici, c'est déjà minimum 100 millions. Voilà. Donc, quand tu viens, tu dis que ce qui n'est pas possibilité de dire. Parce que les gens, même souvent, ils veulent 3 pièces. Il n'y a pas ça ici. Non. Tu peux acheter 3 pièces en Chine. Si tu es en France, si tu achètes une fois là-bas. Ouais. Si tu es au Cameroun, là, tu vas comprendre. Parce que ça sera pas différent du prix qu'on doit vendre ici. Ouais. Pardon, expliquez-le. Quand je parle souvent ici, là, la Chine, c'est la quantité. Oui, la Chine. Parce qu'il y a des gens qui veulent. Débuter le business en Chine avec 300 000. Non, tu prends les 300 000. Regardez, il y a une histoire actuellement. J'ai une pote là-bas au Cameroun. Elle est en train de vouloir m'envoyer 1 million de lui faire les achats, mais je ne veux pas parce que j'ai peur que ça peut nous créer les problèmes. Voilà. Oui. Elle aime tellement ma marchandise au pays. Et si je lui amène la marchandise comme ça, elle va dire que je vais frapper. Elle va dire que ça, c'est pas la marchandise d'un million. Elle croit que pour 1 million, c'est comme ça. C'est un colis. C'est un colis. Oui. Voilà. Et parce que 1 million va faire un colis. Oui, voilà. C'est ça que j'évite de prendre son argent. Oui. Nous garde la bonne relation et puis. Je te dis que quand tu as 300 000, tu te lances au Cameroun, tu vas chez les super grossistes comme cela. Tu travailles avec elles. 300 000 en un mois, ça peut te produire même, ça peut te donner même 600 000. Voilà. Moi, j'ai des clients qui m'envoient 500 000. Tu dis que non, prendre 500 000, tu peux manger sans problème. Un problème de ça, il y en a. Oui, si là-bas, tu mets 1 000 francs. Elle peut te laisser mettre un ensemble à 12 000, tu m'en payes à 14 000, tu gardes tes 2 000. Tu fais tourner tes 300 000 sur un mois, ça peut te produire 1 million. Elle envoie 1 million que tu fais quoi avec? C'est parce que vous êtes là, vous connaissez tout ça. Parce que il y a eu des gens qui ont eu à me traiter même de menteuse, dans les commentaires. Comment je parle dans les marchés chers. Tifou, c'est l'un des marchés moins chers. Mais quand on dit moins cher là, le Chinois n'est pas fou. C'est-à-dire que tout ce qui est de qualité est cher. Il n'y a pas de marché moins cher. Il faut que les gens se réveillent. Il n'y a pas. Quand le Chinois te fait quelque chose à bas prix, c'est un piège. Nous, les Camerounais, on appelle ça le piège. Ça veut dire quelque chose de mauvais dessus. Et il faut tout rappeler ceci. Quand un truc est trop moins cher en Chine, ça se passe comment? Il a exposé le simple. Il dit qu'il a 400 pièces. Il dit qu'il a payé le prix. Tu as dit qu'il a payé 700, 800. Mais sauf que quand il va emballer, il y a d'autres que tu ne dois pas voir. Voilà. Tu vas juste compter, tu ne sais pas qu'au niveau de la qualité, il y a peut-être, il y a dans la moisissure. Voilà. Dès que tu arrives au pays, ça fait peut-être 2 mois dans le temps. Dès que tu détaches le couteau comme ça, comme tu ouvres là, tu vois, ça se déchire. Soit c'est collé, soit ça se déchire. Voilà. Donc c'est très, très dangereux. Moi, je dis souvent ça qu'avec 1 million, même, pas au Malomé, pas au Nigeria. Oui, c'est mieux, tu travailles avec les gens. Tu ne peux pas venir en Chine avec 1 million, c'est impossible. Non, c'est impossible. On est aussi nos grossistes au pays, comme ma soeur, comme tous ceux que vous voyez là.
allez auprès de commencer votre business avec, vos 500 000. En Chine, ce n'est pas possible. Parce qu'avec 500 000, tu vas acheter la machine, tu vas te donner à combien? Tu vas vendre à combien? Tu ne peux pas te comparer aux grossistes-ci. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté en quantité, on leur a fait le prix. Toi, tu vas, c'est mieux d'aller chez eux, tu achètes un peu d'eau. Oui, tu t'en sors. Parce que tu vas envoyer 500 000 ici, là. On va payer, tu demandes qu'on n'envoie pas. Ou dès qu'on n'envoie pas, ça va faire au minimum 45 jours. Voilà. On met souvent là, on met souvent 60 jours. Souvent même c'est 60 jours. Oui, pour avoir la tête tranquille. Oui. Maintenant, prends les mêmes 300 000 là, ou les mêmes 500 000 là. En 30 jours au pays, ça peut produire combien? Vous avez compris. Tu vois un peu, c'est comme ça qu'il y a des clients. C'est comme ça qu'on refuse. Parce qu'il n'est pas seulement important de prendre l'un des clients. Il faut qu'on essaye de créer un groupe. On va tous avancer ensemble. D'accord. C'est ce que je dis à mes clients. Que tu te concentres, tu envoies une bonne somme. Tu vois un peu nos salaires? C'est clair. 2 millions. Voilà. 1 500 000 par ricochet. 1 million. Non, c'est que. Non. En fait, moi, je comprends aussi en même temps. Je comprends. C'est que. On nous a fait croire depuis l'enfance que la Chine, ce sont moins chers. Mais je dis toujours que. Moi-même, je l'ai interviewé et puis j'ai dit la vérité aux gens, c'est impossible. Non, l'hôtel d'abord c'est combien? 25 dollars minimum. Wow. Avant, maintenant, actuellement, j'ai même visité les hôtels récemment. C'est maintenant 35 dollars. Les gens viennent travailler pour descendre. Il y a la finance aussi, la foi. C'est 35 dollars maintenant les chambres d'hôtel. Et puis 35 dollars, il faut même voir où. Quelle qualité de chambre. Vous comprenez? Et le transport en Chine, ça coûte cher. La nourriture est moins chère. Si vous mangez chinois, c'est moins cher. Si vous mangez ça là. Ce que nous mangeons ici, là, ça c'est moins cher. Mais je ne suis pas sûr que tu vas venir à Chine que pour manger ça. Il y a des gens qui viennent à Chine avec le tapioca. Ils boivent le tapioca, non. Il y a des gens qui viennent à Chine. Ils viennent avec. Mais c'est vrai. Les arachides, le lait, le sucre. Le gâteau kumba. Les bâtons de manioc. Tapioca, moi, mais j'aurai ma place chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour manger. C'est voilà. Économique, c'est économique. Tu dépenses ça pour manger, tu dépenses seulement sur le transport et ton hôtel. Mais ça sert alors à quoi? Tu vis comme un prisonnier en Chine. C'est-à-dire que tu quittes ton pays, tu as laissé ça là, tu viens encore avec ça, tu portes encore ça, tu viens ici là. Voilà. Donc vaut mieux, tu te prépares. Il ne faut pas être pressé, c'est doucement. Pour devenir les grossistes comme ça, là, ça a pris du temps. Hein. Non, ça a pris du temps. C'est des années. Ils ne sont pas levés, ils ne sont pas levés un matin pour avoir 20 millions, 30 millions. Non. 20 années jusqu'à pour nous aller venir. Voilà. Ils ont commencé petit à petit. Et le secret aussi de travail, je ne sais pas c'est quoi, ça te permet de te former. Ce qui fait que quand tu vas en Chine encore, il y a aussi un obstacle. Mon premier voyage avec elle, bien que j'étais avancé dans le vêtement, je suis entré dans un. Tu connais non? Je suis entré. Donc, tellement il y a les habits qu'il faut maintenant sortir dans les milliards des habits là, les habits que tu dois vendre dans ton pays. Oui. Parce qu'il y a tellement d'habits qui t'embrouillent dessus. Mais par contre, quand tu as bien travaillé sur le tas, tu as bien travaillé sur place, tu as une facilité à sélectionner. Oui. Tu vois un peu. Quand ils sont à distance, quand tu as distance, tu te dis que non, il va avoir en Chine, il va tomber sur les secrets, mais quand tu es maintenant en Chine, il y en a tellement. Tu as l'impression que tout est beau. Oui. Mais sauf que tout n'est pas beau. Voilà. Tout n'est pas beau. Chacun son secret. Tout est beau à tes yeux. C'est pour cela que les rois, j'aime dire, sont importants. C'est la raison pour laquelle vous devez d'abord travailler. C'est important. Il est important que vous travaillez d'abord, que vous maîtrisez ce que vous faites. Que vous sachiez ce qui soit entre vos mains. C'est clair. Parce que courir, venir en Chine, là, non, ce n'est pas ça. Tu dois comprendre le vêtement, ce qui sort entre tes mains avant de décider de venir en Chine. Éviter le proving, ça n'a pas. Parce que pour la plupart des gens, ils viennent en Chine que pour qu'on dise qu'il était en Chine. Oui, m'as-tu vu? Je t'ai dit ça, non. Il y a qui sont venus en Chine pour la première fois, jusqu'au jour, ils ne sont plus jamais. Jamais revenus. Ils sont venus en Chine, ils ont mal à CV, ils sont venus en Chine une fois. Ils ont même eu un visa, un an multiple entrée, ils n'ont pas utilisé le visa. Les anciens voyageurs. Voilà. Bon. Vous avez écouté, non? Non, ça m'avait giflé. Moi, je suis arrivé ici en Chine pour la première fois, il dit, mais j'arrive comme ça, mais deux semaines, je n'arrive pas à acheter. Parce que dans la tête, c'est que non, c'est moins cher. Alors que c'était des histoires dormies debout. Donc, vous avez écouté. Make up.